course, moi c'est Ramès Nkulumise, je suis un acteur politique, je suis un patriote panafricaniste. Permettez que par cette courte vidéo que je vous revienne, parce que nous devons nous dire certaines choses si nous voulons être un pays qui veut se développer. Aujourd'hui, le développement, nous l'appelons de tous nos voeux dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mais il y a une chose que nous devons savoir, il est difficile de parler de développement lorsque la nation n'est pas unie. Il est difficile de penser au développement, il est difficile d'envisager le développement lorsque nous sommes un peuple qui n'arrive pas à vivre ensemble dans l'unité, dans la cohésion nationale. Alors, il s'est fait que pendant la période de la campagne électorale, ici chez nous par exemple à Likasi et dans le Grand Katanga, il y a trop de messages de haine qui ont été diffusés, il y a trop de messages tribaux qui ont été diffusés. Il y a certains candidats, pour se faire une bonne santé de la population, ils ont su marteler sur des messages à caractère tribal, des messages d'épuration ethnique, des messages de haine, des discours de haine, des messages qui divisent, des messages ségrégationnistes. Alors, nous devons comprendre une chose, si nous voulons nous développer et que nous ne sommes pas ensemble, nous ne verrons. Mon adresse par cette vidéo est de demander à la population de Likasi en particulier et la population de la RDC en général qu'il est opportun que nous puissions essayer de travailler sur l'unité, que nous puissions comprendre que nous gagnerons plus en vivant ensemble qu'en cherchant à nous diviser. Ne cédons pas à toutes ces personnes malencontreuses, ces personnes mal intentionnées qui, pour ces positions, viennent avec des messages qui ne visent qu'à nous diviser. Ne cédons pas à tout ça. Notre pays est en train de vivre un moment décisif. Un moment où le président Félix Tshisekedi a été réuni et devra, dans les prochains jours, prêter serment. Alors, il n'est pas lieu, ce n'est ni le lieu ni l'opportunité pour certains candidats qui se verraient déjà en échec d'essayer de pouvoir grandir, de pouvoir agiter la fibre tribale pour appeler les jeunes à des manifestations qui ne conviennent pas, à des troubles qui encore vont devoir régresser notre pays. C'est comme ça qu'en tant que jeune leader camerounais, je me tiens là, parlant aux autres compatriotes. Je ne m'adresserai pas seulement aux jeunes, je m'adresserai à tous les camerounais et ne pas nous dire ce que j'ai. Ça y est. Nous devons accepter les livres dans la communauté. Exprime tous les messages de haine, exprime tous les messages qui sont liés au tribalisme, exprime tous les messages qui ne visent qu'à diviser un peuple. Notre pays a déjà beaucoup de problèmes comme ça. Nous avons des problèmes avec tout ce que nous avons comme rébellion, avec tout ce que nous avons comme guerre. Imaginez que, au-delà de tous ces problèmes que nous avons en tant que Congolais, que nous-mêmes nous mettions à nous fusiller, à nous cisailler, à nous diviser. Pour des buts qui ne semblent même pas républicains, pour des buts qui ne conviennent pas. Donc je voudrais vous demander, chers tous, Congolais et Congolais, et plus particulièrement la population du Congo, ne cédons pas à tous ces messages derniers qui sont diffusés, ne cédons pas à toutes ces personnes qui appellent à la manifestation, à des troubles qui ne conviennent pas, et acceptons de vivre comme un peuple uni, et c'est dans l'unité que nous allons développer. Merci.